Nous rêvons de naviguer entre les îles planètes de la Voie lactée, de nous aventurer au-delà du point de non-retour, nos voiles gonflées par un vent de photons. Nous avons déjà emprunté ce chemin. Un peuple a autrefois choisi l'inconnu. Des femmes et des hommes ont risqué leur vie pour braver les océans, et leur courage a été récompensé. Ils ont découvert le paradis. Laissez-moi vous conter leur histoire. On les appelle les Lapita, mais cela n'a jamais été leur vrai nom. C'est le résultat d'un malentendu datant de plusieurs décennies, quand les premiers tessons de leur poterie furent mis au jour. À mes yeux, ce ne sont pas les Lapita, mais les Voyageurs, un nom qui reflète bien mieux leur mérite. Il y a environ 10 000 ans, quand la population du sud de la Chine commença à grossir, certains décidèrent de repousser les frontières cap au sud vers l'actuel Taïwan. Nos voyageurs s'y installèrent et y vécurent heureux durant des millénaires, jusqu'à ce qu'ils se trouvent de nouveau à l'étroit sur cette île. Tout comme l'humanité a fait son chemin dans une sorte de quarantaine cosmique, avec peu d'espoir de connaître l'existence des autres mondes du cosmos et encore moins de les atteindre, nos lointains ancêtres étaient prisonniers des terres. Quand ils voulaient aller loin, ils devaient le faire à pied. Et après un long chemin, la côte marquait toujours la fin du voyage. C'était avant l'ère des grandes civilisations maritimes, les Phéniciens au Proche-Orient et les Minoens en Crète. La plupart du temps, ils longeaient les côtes. Les marins de ces bateaux de pêche et de fret veillaient à toujours garder la terre en vue.